Don't make me make a phone call. Les trois se consolent dans le tintamarre assourdissant de leur lecteur et de leur porte. C'est drôle que personne ne se croise le regard de personne. Chacun fixe son attention sur un endroit quelconque, hey, porte ou ses pieds. Aux inconnus, lui, n'adressera jamais la parole. Ils l'ont dit à la télé. Méfiez-vous de l'insécurité. Personnellement, je crois moyen. C'est toujours dans le bus que. Quitter. Des voyageurs téméraires comme moi, j'en ai connu quoi? 5 tout au plus. Mais nos bavardages matinaux nous occupaient pendant le trajet. Plus petit, j'aimais deviner sur les visages ce que pensaient les gens. Celui du jeune homme assis qui voit au loin une dame âgée entrer, qui prépare le terrain tout à coup et s'exclame. Madame, voulez-vous vous asseoir? Cette place, je vous la laisse bien volontiers. J'ai bien aimé l'hiver, les vitres couvertes de buée, sur lesquelles ennuyés ont dessiné frigorifiés comme des glaçons, et du conducteur qui, avant même l'œuvre terminée, nous ordonnait fermement d'avancer vers le fond. Et puis l'été, et la sueur qui perle sur les fronts, l'impeccable déhanché du chauffeur sur l'I'm Yours de Jason Mraz. Je me souviens de tous ces gens qui me regardaient de leurs yeux ronds, le bonhomme insoucieux dans son bus, si proche de l'extase. Il y en a des souvenirs qui s'entassent dans un coin de la tête, dans un tel lieu qui pourtant est plus étroit qu'une coquille d'œuf. Mais difficile de contrôler la mémoire, c'est un fait. Et puis, j'ai appris à l'aimer le bus de la ligne 9. You think I'm just a You don't need it no more, huh?